Nous, on est fournisseur local, mais aussi à dimension nationale par notre site internet usine23.com, où on distribue des chaussures de sport. Et on a essayé de trouver le meilleur moyen pour valoriser cette image. Et en travaillant sur une démarche locale, on s'était dit qu'on pouvait offrir aujourd'hui dans cette image les costumes, les tenues d'avant-match et aussi pour le staff, pour donner une redorée, parce que le club fait des investissements. Ça fait 2-3 ans qu'il y a des gros investissements au niveau des infrastructures, au niveau du stade. Et on voulait apporter notre petite touche à nous et faire progresser le club en même temps et lui permettre de passer ces paliers-là. Après, le sportif, c'est une chose, mais le côté structure et organisation est très important et ça permettait d'aller vers l'avant. Nous, c'est un très grand plaisir et cette passion du sport. On a eu des super matchs l'année dernière. On a profité et sachez que le partenariat, quand on l'avait décidé, on était encore en Ligue 2 l'année dernière, donc c'était même pas l'idée d'aller vers la L1. Alors on en a profité et c'était génial. Cette année, c'est un peu plus compliqué, mais les matchs, le plus dur est passé, on dira. Je pense qu'on va aller de l'avant. Le club se construit, il a connu des hauts, il a connu des bas. Il faut dire au président qu'on est avec lui parce que mine de rien, on sait en tant qu'entrepreneur combien ça peut être difficile et les hauts et les bas, c'est pas toujours évident à gérer, mais ça se construit et cette étape de construction, elle n'est jamais facile.